Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 69 de Stage One. Et nous allons jouer aujourd'hui très rapidement, cette vidéo sera pas longue, à Warcraft 3, Reign of Chaos. Donc c'est un jeu qui n'est pas tellement récent non plus. C'est un jeu qui mêle la stratégie et le jeu de rôle. Et nous allons commencer tout de suite, on y va, la première campagne. Donc c'est le début. Donc le chargement, et je vous laisse un peu la petite vidéo de début. Quel étrange cauchemar. Ce n'était pas un cauchemar, jeune chef. C'était une vision. Suivez-moi, et je vous révélerai ce que vous réserve le futur. J'ignore ce que tout ceci signifie, mais je suis prêt à aller jusqu'au bout. Donc voilà, on a la main. J'ai pas pu laisser la vraie vidéo d'introduction qu'il y avait au début, hein, qui vous racontait un peu l'histoire. Il y avait des petits problèmes avec le film. Donc là, c'est du jeu, donc je vous ai dit, on en contrôle nos unités. Là, on en a qu'une, évidemment. Donc on découvre le terrain au fur et à mesure. Là, c'est une sorte de petit didacticiel où il nous explique où il faut aller. Donc là, il faut rejoindre les points de point en point pour... De toute façon, il n'y a pas 50 chemins. Déplacer vers la bannière au milieu du camp. Donc voilà, c'est ce qui m'explique. Alors, faut que je prenne, que je l'emmène ici. L'Octar, guerrier. Donc maintenant, j'ai gagné d'autres troupes. Donc là, on n'aura peut-être pas le temps de le voir, plus tard, on peut. Pour l'honneur. Voilà, on peut. J'ai du mal à parler en même temps que lui. On peut créer nos troupes, on construit des bâtiments. C'est un petit peu un jeu de gestion en même temps, puisque c'est du combat en gros sur une map du style League of Legends. Voilà, c'est les précurseurs, les précurseurs du style. Mais le campement des Gnolls est devant nous. Ordonnez à vos troupes de se déplacer agressivement et d'attaquer le camp ennemi. Même si c'est pas totalement la même chose, puisque là on aura des bâtiments que League of Legends n'a pas, évidemment. Puis cliquez sur le sol. Non, mais donc. Donc là j'ai des ennemis, donc vous les avez vus. Donc en fait je clique sur les ennemis avec mes troupes, les unités que je veux. Donc là ils m'ont dit de cliquer sur attaquer et de sélectionner une zone. Voilà. Notez que Thrall a gagné un niveau grâce à l'expérience glanée au combat. Voilà aussi donc ce qu'il vient de dire, ils ont gagné des niveaux. Ce qui leur permet de donc après on a différentes compétences. Le héros gagne un point de compétence à chaque niveau supplémentaire. Ces points peuvent être utilisés pour acquérir de nouvelles compétences ou améliorer une précédente compétence. Pour dépenser les points de compétence de Thrall, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton compétences en bas à droite de l'écran. Hop. Ce coffre contient une potion de mana bien utile. Remarquez que la potion occupe maintenant un emplacement dans l'inventaire de Thrall, en bas, au centre de l'écran. Les potions de mana peuvent être utilisées pour rendre au héros son mana, l'énergie magique qui lui permet de lancer des sorts comme chaîne d'éclairs. Il dit, en fait, j'ai même plus besoin de parler, il dit carrément tout ce que vous devez savoir, il le dit à l'oral, dans le jeu. Donc là, on continue, encore des ennemis. La vidéo va être très courte, hein. Comme je vous ai dit, on va juste faire cette mission, on va pas s'embêter à en faire une autre, parce que ça peut être assez long suivant ce que c'est. Hop là, un nouveau point. Le hurlement du loup signifie que la nuit a commencé. Attention guerrier, ne laissez voilà, pas des biches, je sais pas ce que c'est, je peux pas les attaquer. Bon, tant pis. Oui. Dabou. Ça c'est quelque chose que vous entendez tout le temps. C'est comme dans StarCraft, on avait la même chose, c'est un... Vous entendez tout le temps, oui, j'y vais, oui, pour l'honneur, voilà. C'est tout le temps des phrases magiques, alors suivant quelle race vous avez pris, il y a des phrases un peu plus connues, un peu plus mythiques. Alors là, j'ai tué lui, bon, oui. J'étais peut-être pas obligé, parce que juste moi qui fais le vers lui. Dabou. Pour l'honneur. Voilà. Oui. Par contre, c'est pas trop ça l'ambiance, par contre. On s'ennuierait très vite s'il fallait avancer comme ça pendant des heures. Oui. Dabou. Il n'y a pas trop de musique. En même temps, c'est pas vraiment obligé, mais
Et c'est vrai que ça serait un plus d'avoir une petite musique de fond. Dabou. Que la forêt. Voilà. Hop Pour là, l'honneur. j'ai retrouvé le mec. Je crois. Non? Ah non. C'est pas lui là? Ah si, voilà. Salutations, fils de Durotan. Je savais que vous trouveriez votre chemin. C'est vous que ma vision m'a montré. Qui êtes-vous? Comment me connaissez-vous? Je sais bien des choses, jeune chef, sur vous et votre peuple. Pour l'heure, peu importe mon identité. Ce qui est important, c'est que vous ralliez votre peuple et quittiez ce rivage immédiatement. Partir? Pourquoi donc, humain? Humain? J'ai abandonné mon humanité il y a bien longtemps. Je suis autre chose désormais. Sachez que je connais l'avenir et que j'ai vu la grande ombre enflammée qui vient pour consumer ce monde. Vous la sentez venir aussi, n'est-ce pas? Les démons sont de retour. Oui, la seule chance que vous avez de vous dresser contre eux est de traverser la mer vers les terres lointaines de Kalimdor. Mais comment pouvons-nous? Je répondrai à vos questions en temps voulu, jeune chef. Pour l'heure, ralliez vos guerriers et préparez-vous à quitter cette terre. Nous reparlerons bientôt. Tout cela n'a aucun sens. Mais les esprits me disent que je dois lui faire confiance. Donc voilà, on va pas aller plus loin, donc ce sera pour Warcraft 3 Reign of Chaos. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé, ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.